Alors bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je m'excuse si vous m'entendez pas très bien parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et pour répondre à The Minuscule, alors effectivement, j'aime bien ce jeu. J'y joue pas forcément tout le temps, mais des fois j'ai des crises un peu de manque et bah, je joue. Je joue et puis je joue. Et c'est surtout que, en fait, j'ai pas beaucoup. Ce jeu demande un. Si on veut jouer dans la vraie vie, ça demande beaucoup d'argent en fait, beaucoup de moyens. Et c'est vrai que le jeu en lui-même, sur le PC, il est bien foutu, je trouve. J'attends impatiemment la nouvelle version, donc la version Pokémon Live, où là on pourrait jouer sur le téléphone portable, enfin, téléphone mobile, smartphone, ainsi que les tablettes, enfin, quasiment tous les supports. Ils avaient annoncé une sortie pour le mois de décembre et ça a été reporté ben, juste après la sortie d'Arceus. D'ailleurs je l'ai Arceus mais je peux pas live là-dessus parce que j'ai pas le système pour live sur la Switch. Mais oui, effectivement. Alors, est-ce que j'ai une carte préférée dans ce jeu? Je sais pas, vu que j'y joue pas souvent, enfin si j'y joue mais aléatoirement, ça dépend de mes envies. Je sais pas. Moi j'aime bien, j'adore tout ce qui est carte, forcément. Tout ce qui pète un peu les yeux, hein, je sais pas comment faire. Les cartes un peu qui sortent de l'ordinaire, genre les GX. Là j'ai réussi à avoir. J'aimerais bien me faire un deck. Un deck un peu. Comment dire. Comment on dit? Un deck perso quoi. Voilà. Avec des GX, avec des VMAX. Là j'ai des jolies cartes escouade. Je sais pas. Ma carte préférée. Bon, il y a tout le temps les. Il y a les Dracaufeu qui sont quand même magnifiques. Mais celle-là, j'aime bien. Pour l'instant, moi je pense que ma préférée, ça serait la triple brûlure là. Avec Sulfura, Elector et Articodine. Dunaconda. Le Dunaconda. Je crois que. Voilà, je l'ai en V en fait. Dunaconda. Ouais, j'aime bien tout ce qui est un peu holographique. C'est sûr quoi. Je sais pas laquelle tout à l'heure d'Unaconda tu m'as dit le gros canon sableux. Désolé hein, si j'ai un peu de peine parce que j'ai vraiment une grosse dose de rhume. Ah celui-là, ok, d'Unaconda. Ah c'est une reverse. Je pense que c'est celle-là dont tu veux parler. Alors moi je l'ai pas. Simplement. Après, ouais, on peut acheter des boosters, mais je veux pas non plus tout dépenser. Alors elle existe en reverse. En holographique. Enfin, il y a deux styles d'holographique. Apparemment. Alors ça c'est sûr que tu sais on peut se tutoyer, hein, y a pas de problème. Hein. 6 x 60 dégâts, c'est sûr que défausser les 6 cartes. Mais voilà, après faut faire très attention de.
de pas trop défausser de cartes, parce qu'il me semble que quand on a plus de cartes, ça c'est une règle que ça m'est peut-être arrivé une fois, mais il me semble que quand on a plus de cartes dans son deck, il me semble qu'on a perdu. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble qu'on a perdu. Donc effectivement, ça fait mal, mais il va faire mal peut-être une fois, deux fois, puis après avec 130 de dégâts. Alors reverse, c'est quand on dit une reverse, c'est une holographique mais inversée en fait. Par exemple ça, voilà celle-là là, holographie, elle est holographique parce que le Pokémon en fait le Pokémon il est holographique. Tandis qu'une reverse, en fait, le Pokémon n'est pas holographique, mais c'est la carte, enfin le tour de la carte qui est holographique. Oui, alors la carte, j'ai tout à fait compris l'attaque, en fait, c'est qu'il faut défausser les 6 cartes du dessus du deck. Donc ça veut dire qu'elles sont perdues, enfin elles sont défaussées. Après, c'est sûr qu'avec une vaillance de pierre, on peut aller les rechercher par la suite, les remettre dans le deck, mais ça veut dire que c'est des cartes qui sont perdues pour le jeu. Elles sont défaussées. Alors, l'euphorie V. Peut-être pas comme ça. Non, je sais pas lequel. On a plusieurs. Je vais mettre le... merde. Pardon. J'ai dit un gros mot. Je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Si vous avez infligé des dégâts avec cette attaque, vous pouvez attacher jusqu'à 3 cartes énergie de votre pile de défaut. Oui, alors effectivement, c'est sûr que... Mais bon, ça c'est une attaque. Après, ça serait plus intéressant d'avoir un talent. Mais oui, il y a une chier de... C'est pour ça que ce jeu est magnifique. C'est qu'il y a une chier de possibilités, de... C'est sûr, c'est ça qui me plaît en fait. Oui, c'est impressionnant. C'est sûr que ça fait mal, mais moi je suis assez fan. En fait, moi je dirais, tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais des cartes préférées, mais moi ce que j'aime bien c'est jouer avec des decks à thème en fait, parce que je trouve que c'est plus équitable. Après, c'est sûr que moi aussi, je peux faire des decks perso et tout. Mais ça me prend du temps. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est jouer. Plutôt que créer mes decks. Et pour ça, j'aime bien les decks à thème, justement. Parce que je trouve qu'on est plus à égalité, en fait. Oui, j'ai tout à fait compris ce que tu fais. Oui, c'est malin. C'est très malin. Je me refais une petite partie.
Super, ça commence très bien. Je n'ai pas de Pokémon de base. Bon, des fois ça veut rien dire, hein. Bon, alors on va partir sur un Ponyta qui sera peut-être un Galopin. Oui, après, c'est sûr que chacun a ses goûts, ses avis. Je comprends tout à fait. Mais après, c'est sûr que c'est un jeu qui est tellement complet que chacun fait ce qu'il veut. Du coup, moi, j'ai dit que je faisais. Alors, je vais essayer de faire un Galopin déjà. Ah, j'ai pas de bol. Est-ce que je fais copieuse ou est-ce que je tire 3 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça sera pas vraiment la peine. Voilà. Il peut taper. Ah, il n'a pas de faiblesse de feu. Bon, bah on va le taper. Ah, c'est mal parti. C'est assez mal parti. Après, c'est sûr que ce jeu, bon, déjà, comme je disais, c'est le problème, c'est que j'adore faire des decks, mais je trouve que ça prend trop de temps par rapport au. Enfin, moi, ça me prend plus de temps que finalement de lancer une partie. Tout simplement, moi quand j'allume mon ordinateur, ben j'ai envie de jouer tout de suite. Et pour moi, voilà, c'est mon avis perso. Je dis pas que c'est pas bien de le faire. Mais moi j'aime pas créer des decks en fait. Je me suis amusé, j'en ai fait un avec des GX et tout, mais c'était pas. Déjà, il n'était pas top parce que je me suis dépêché de le faire. Et puis j'ai pas pris de plaisir en fait à faire ce deck. Plutôt que de prendre des decks à thème où le deck est tout de suite prêt et je sais que je vais combattre contre des decks à thème. Donc c'est plus ou moins à égalité. Et puis c'est des decks qui sont connus dans les séries et tout. C'est plus logique. Enfin, je sais pas, moi je préfère. C'est ça. Bon bah ma protection a loupé. Je suis un peu dans le caca, alors je vous cache pas que. Qu'est-ce que je fais? Je fais une valence de pierre, ça sert pas à grand chose. Je peux essayer de faire copieuse. Mais ça arrive peut-être un poil trop tard. Du coup, je peux me sortir déjà peut-être en Salamèche. Voilà. Au cas où. Mais il va. Ah, ça m'énerve parce qu'il va me taper direct à 8 ans. Donc je vais de toute façon perdre. Donc après, je vais devoir sortir mon Salamèche. Après, c'est volontiers. Je sais pas si on peut partager les decks en fait. On peut les. Pas forcément avec les cartes, mais si les cartes sont disponibles, de partager juste le deck et puis de voir si c'est possible de le faire. Je sais pas s'il y a un système de partage de deck. Enfin, c'est volontiers qu'on se partage des decks. Hein. Après, je pourrais les tester sur le live. Je sais pas, il faut qu'on regarde.
tester des decks d'abonnés, moi ça me va très bien. Mais là, je suis en train de me faire rétamer sa mère. Je crois bien que j'ai perdu. Alors, ça, je peux pas utiliser parce que je perds mon Nidoqueen. Ah. Là, il va me le péter, il va me le tuer. Si je tape à 30... Ah, mais je peux le buter, en fait. Ouais. Je vais pouvoir le buter, et puis derrière, il a quoi? Il va quand même le buter après. Je pense que j'ai perdu. Tout simplement. Bon, après, on peut... Je pourrais... Oui, alors je finis juste cette partie. De toute façon, elle va être assez courte, je pense. Parce que du coup... Ah, puis j'ai un reptincelle maintenant. Il y a tout qui sort tardivement. Ce que je peux faire... Ah, je peux peut-être appeler un Salamèche. Bon, ça sert à rien que je mette un... Ah, ça c'est mon rappel, comme quoi je devais aller travailler, mais... Comme je suis malade. Ouais. Pardon. Tac. Cynthia, pas encore maintenant. Ouais, c'est tout. Mais t'as pas 120, ça fait 140. Pourquoi il a pas... Ah, il avait pas d'énergie. Il a plus d'énergie en fait. Alors, je peux mettre une énergie ici. Je peux appeler... Non, je peux déjà faire ça. Je vais appeler mon Nidoran. Qui se trouve ici. Et puis il faudrait que je trouve malheureusement un Nidoqueen. Après, parce que je pense qu'il va me le buter. Ouais, je vais sacrifier mon vide comme on est à 3 à 5. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, je pensais que ça serait. J'aurais plus vite perdu, mais. Ah non, mais je suis bête, il va falloir un drac au feu avant. Je suis bête. J'aurais dû prendre mon drac au feu. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Mais pourquoi il me tape pas? Ah, parce qu'il a peur que je le tape derrière, en fait. Il anticipe un peu, il fait quoi? Ouais, voilà. Là, j'ai vraiment merdé, je crois. Je suis un peu fatigué, je suis malade. Nidorina. Du coup... On va faire Cynthia.
On peut mettre une ici. Oh! Ça, c'est beau. Mais bon, après, lui, il reste deux Pokémon à me buter. Moi, il faut que j'en bute 5. Surtout qu'il va me péter mon Reptincelle. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai perdu. En plus, c'est les plus brûlés. Alors ça me fait gagner du temps. Après, il a un Pokémon à 120, là il a un Pokémon à 120, 110, 120. Ok, donc on fera juste avec deux énergies. Ensuite on peut faire comme ça. Oh, on n'a même pas besoin d'appeler mon Dracaufeu. Je peux pas le mettre parce que je viens de mettre mon Reptincelle. Du coup, on peut se rappeler. Donc, je suis con parce que je peux mettre mon Dracaufeu. Du coup, je peux quand même appeler un Dracaufeu pour en avoir un deuxième. Si je l'ai encore, non, je l'ai plus. J'aurais dû utiliser Voyance de Pierre avant. Bon, du coup, on va faire comme ça. Et puis après, on utilisera notre Voyance de Pierre. On doit avoir un Dracaufeu qui est là-dedans, dans les cartes récompenses. Soyons fous. Parce que lui, il reste pas grand-chose là. Bon, il a peut-être son Boréas là. Et je crois bien que mon Dracaufeu il est là-dedans. Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu. Encore un Nidoran. De toute façon, s'il n'est pas là. Ah, mais si. Mon Dracaufeu. On peut prendre. On peut prendre encore. On a un Nidoran, on peut prendre une Nidorina, une Nidoqueen. Allez, on va sur les Kibug. Avec. Mais bon. De toute façon. Là, on peut appeler. Je sais pas de quelle carte tu parles, mais je crois pas qu'elle est dans ce deck. Je peux pas regarder mes cartes récompenses, je crois bien. Appel à la souveraineté. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit un Dracaufeu. Du coup, je le tape. 130. Ah, puis du coup, avec la source d'énergie. Hop, maintenant j'ai mon. Bah voilà.
Il était là, mon Dracaufeu. 8, t'as pas combien? 70 plus. Ah, donc du coup il va taper à 140, c'est ça? Toutes les dangers. Ouais, donc il va taper à 140. Du coup, j'ai perdu. Oui, c'est une carte dresseur. Oui, j'ai compris. Sauf que moi, en fait, là, je sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, mais moi, j'ai uniquement des decks que j'achète en fait, que j'achète ici. Donc, c'est des decks qui sont, c'est des decks à thème, en fait. Et du coup, ils sont pas modifiés, donc je peux pas juste rajouter. Si je rajoute, en fait, par exemple, j'aime bien le deck, je sais pas moi, le deck. Je vais aller ici. Je prends mon deck à thème Flamme Ascensante, que j'adore. Si je le copie, que je le modifie, et que je mets la carte que tu me dis, donc la carte Dresseur qui retourne toutes les récompenses de phase physique. C'est possible de jouer avec. Sauf que ça sera plus le deck Flamme Incessante, ça sera un deck personnalisé. Donc du coup, à chaque fois que je ferai des versus, je serai plus avec des personnes à deck à thème. Je serai avec des personnes qui auront fait un deck personnalisé. Donc qui sera de toute façon plus fort que le mien. Parce que moi, j'ai pas pris le temps de faire un super deck. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer avec les decks à thème. Voilà, je suis un spécialiste des decks à thème. Je dirais pas que je suis spécialiste, mais je joue uniquement avec des decks à thème. C'est la chambre de tout à l'heure. Alors, dans ma collection, heure du thé. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique? Vous êtes plutôt rock, il y a de la musique arabe, il y a de la musique nature, il y a des instrus pour du rap. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Sport, gaming. Voilà, c'est ce que je disais. Après, c'est ouais, vous n'êtes pas vraiment nul, mais c'est voilà, c'est si vous jouez tout le temps comme ça, ben c'est sûr que vous êtes un expert en deck personnalisable. Mais c'est sûr que moi, depuis le début, finalement, effectivement, je fais le contraire que vous. Moi, j'aime bien, en fait. Ça, c'est mon côté matérialiste, hein. J'ai déjà acheté des vrais decks physiques, les cartes qu'on achète au magasin. Et c'est ce côté-là que j'aime bien en fait. Donc moi j'achète les decks à thème.
L'attaque folle aventureuse, l'attaque inflige 20 dégâts pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse qui a l'attaque folle aventure. Alors après, je sais pas si je tape. Si je tape folle aventure. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Ah! Je vous ai dit que j'étais malade. Ouais, ça fait pas, quand même pas mal de Pokémon finalement. Et je m'en rendais pas compte, mais. Du coup, c'est vrai que ça peut faire passablement de mal, quoi. Effectivement. Bah écoute, merci de m'avoir suivi, puis ben je te souhaite une bonne journée, et puis pour les autres, on va continuer. Un petit moment, on va arrêter, puis ce soir, on se retrouvera peut-être pour un tournoi. Parce que si vous regardez bien, j'ai 44 tickets, donc je sais pas vers quelle heure, mais ce soir, je pense qu'on va faire un tournoi. Ciao, bye bye, The Minuscule, et à la prochaine. N'hésite pas à follow, hein. À t'abonner, s'il te plaît. Ça serait gentil. Car je suis en recherche de followers. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci, The Minuscule. À bientôt. Bon, on n'a pas trop le choix. Je vous annonce juste que c'est ma dernière partie et on se reverra plus tard pour un autre live. Sortir un Salamèche. Et puis. On va essayer d'aller plus vite. On va prendre un Canardichaud. Et je vais faire une retraite pour avoir mon Canardichaud. Alors. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on fait battre en retraite. Et Canardichaud. Voilà. Et il fait déjà une évolution? Ah, ça c'est pas cool.
Alors, digne de rien. Bon, je vais arrêter de parler. Hein. Oh, ce bug. Ah, j'ai un Nidoqueen qui est coincé. Ça sera pas. Putain, ça. Il va essayer de me paralyser. Bon, là, je suis paralysé.
Le gars il a abandonné. Bon, bah ça va marquer la fin de notre live. Je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement et je vous promets de me soigner et d'être en forme. Merci à tous et puis ciao, bye bye.